Ok, donc épisode 12. En effet, donc j'ai regardé hein, pour l'épisode 10 et 11. Donc non, en fait, ma voix est enregistrée par l'autre micro. Là, j'ai rebranché le mien, celui que j'utilise habituellement. Donc normalement, le son devrait. Donc ma voix était peut-être d'un peu moins bonne qualité sur les deux épisodes précédents. J'en suis désolé, mais bon, rien de bien grave visiblement. Donc on continue. On va directement aller à... Ok, c'est bon, on vient de s'emparer donc de la base, la vallée des fidèles. On va se la jouer YOLO, on va se la jouer développer les infrastructures à fond. Ok. Donc évidemment celle-là on la met en sécurité. Hop. Et le reste est bon en attaque. Ouais, vas-y, passe-la moi. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je parle à Lady Dead aussi. Je vous salue, hors de question. Votre fer. Non, tu vas mourir. Voilà. Ça c'est réglé. Ouais, je compte me la faire, c'est bon, j'en ai ras-le-bol de. Si c'est que pour que dans 10 tours elle m'attaque, en plus j'ai besoin de base, j'ai besoin de conquérir davantage de base. Donc on y va, on y va à fond. D'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Direction les bateaux. Toi, direction va bah, toujours la même. Toi, ben là-bas. Va. Feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous? Oui, Morgane, que veux-tu? Ah, désolé, pour l'instant je peux pas t'aider. Oh non, tu vas pas me refaire le coup. Bon bah, je suis plus pacte fraternel avec. Spécimen inhabituel n'est pas tant une particule classique qu'un connecteur, une sorte de corde attachant deux particules. Lorsque la distance augmente, la puissance de connexion s'atténue, mais si elle est coupée, la puissance disparaît pour toujours. Académicien Prokhor Zakharov, car j'ai goûté le fruit. Elle n'est pas dans la particule classique qu'un connecteur. Ok, d'accord, ouais. La théorie du graviton. Je sais plus ce que c'est le graviton, c'est pas la matière qui est censée. D'accord, ouais, ce sont en fait. D'accord, au fait, c'est de la matière tellement dense que. Oui, c'est la matière proche des trous noirs, quoi. Tellement dense que ça attire. Que ça a une force d'attraction énorme. Ça n'a rien à voir avec les aimants, hein. Les aimants, c'est un peu la même chose, mais non, le graviton, ça ressemble à la puissance des aimants, mais sauf que ça s'applique à vraiment toutes les matières, quoi. Pas seulement les matières ferromagnétiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la dissidence. Confirmation demandée. Hop. Je vais te calmer, moi. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. J'adore parce qu'elle est proche de la mort, mais bon, ok, nickel. Une base de plus. Pareil, on va continuer à se la jouer YOLO avec les infrastructures. On est en plein, on est sur le front, hein, mais bon, Myriam est tellement naze que je me fais pas trop de soucis, quoi. Elle a jamais réussi à me reprendre une base depuis le début. Je pense pas que ce soit maintenant que ça va arriver, hein.
Je me méfierais plus de Dèdre que de Myriam. Je l'ignore, j'ai même plus envie de l'écouter. Ouais, je sais, il n'y a plus de respect. Bon. De toute façon, vu le peu de bases terrestres qui lui reste, après ce sera plus que des bases maritimes. Les bases maritimes, il est vrai que je ne suis pas bien équipé en base maritime, mais bon. C'est pas si grave. Bon, je suis en train de charger mes bateaux également pour aller attaquer une nouvelle fois Diedre, hein, mais. Planétaire. Oh, c'est bon, je gagne haut la main. Pas besoin de. C'est bizarre, hein, mais deux Vendetta en fait vote pour Diedre. C'est. Production terminée. Maximale atteinte. Alors. Pourquoi j'ai plus d'unité ici? Ouais, attends, et où? Il reste encore des bases à conquérir quand même ici. Pas des masses, mais il en reste. C'est bizarre, je vois encore une base là, mais elle est. Non, c'est une base maritime ça. Je crois pas que je puisse l'attaquer cette base là. On va essayer, mais je crois pas. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ok, c'est bon, une base de plus. Merci d'être passé. Hop. Ok. Donc celle-là en sécurité. Je peux pas prendre la base. Cette Non. unité ne possède pas la capacité requise. Ouais, je l'écoute même plus, hein. Là, j'ai un projet hostile pour elle. C'est fini. J'ai toujours une émeute de droïdes qui traîne là-bas. Ouais. Ah si, j'ai réussi quand même à l'avoir. Production terminée. On va Confirmation accélérer. demandée. Hop. Un territoire de plus. Ouais, c'est la première partie d'enregistrement là que je tourne. Hein. Ouais, on est d'accord. Parce que là, on est déjà à 9 minutes. Je peux attaquer cette base là. Ok, ça veut dire que je peux la conquérir. Et elle, je l'écoute plus. Hein. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Comment ça? Cette unité ne possède pas la capacité Donc requise. ok, donc ça c'est bien une base maritime. On va. Ah, on peut passer par là, j'ai pas vu qu'il y avait une route là. D'accord, et eh ben c'est foutu, c'est fini pour elle. Ah, au niveau de l'île là, c'est bon, hein, c'est gagné. Elle dégage de mon île. Après, elle ira barboter dans la flotte, elle se démerde. Mais sur le terrain, je ne vais plus la voir. Après, il y aurait bien Lal à s'occuper pour libérer mon terrain.
Désolé, ça a dû couper. J'ai pas concurrent de base ni rien si ça a coupé entre deux. Colonel Santiago veut me parler. Ok, veut que je me rebelle contre Morgane, il en est hors de question. Non. Non. On en est où, nous deux? Ouais, mais le pacte de fraternité, je crois que tu vas me demander de m'attaquer à Morgane et c'est mort. Est-ce que je peux avoir une de tes bases? Mais pff, tes bases, pareil. Hein. Qu'est-ce que je peux te demander en base? T'es là, toi. Hein. Par ici, c'est quoi la base que t'as là? Donjon du commun du. Donjon du commandant. Donjon du commandant. Quel est ton prix pour ça? Toutes mes informations technologiques? Vas-y, fais-toi plaisir. Young, qu'est-ce que tu me veux? Non. Production terminée. Ok, ils se lancent en vendetta contre moi. Tout va bien. Votre. Viens rapprocher de la base, oui. Et se faire des punitions, Confirmation vas-y. demandée. Accélère-moi ça. Production terminée. On va aussi. Ouais, de toute façon, on va s'occuper de Yang parce qu'apparemment. Il est pas content. Ah, puis en plus, ouais, pareil, c'est des territoires. C'est du maritime, lui, qu'il a. Faut vraiment que mes bases maritimes, je développe les unités. Îles des profondeurs. Ah, ouais, ils font des îles des profondeurs en plus. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ah non, oui, c'est parce que j'avais une tête rouge, je me suis dit merde, c'est quoi ça? Ici, par ici, t'as plus rien à y faire. Ah, puis il reste encore une. Ah, il reste une autre base ici. Oh putain, celle-là, elle est sans protection. Grande Sion, je vais essayer de la choper. On va se diriger vers par là, de toute façon. C'est ça, hein. De toute façon, ouais, Yang, il envoie des tas contre moi. On va juste envoyer des unités par là-bas, mais c'est pour vraiment pour défendre, quoi. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ok, génie des profondeurs. On peut aller s'attaquer à là-bas, la parole du pêcheur là-bas. Là-bas, ça cartonne à un niveau. Niveau des vertes et les pattes, ça cartonne. Production maximale atteinte. Ouais, parce que, apparemment cette île-là quand même, enfin la base elle est quand même assez proche de la Terre pour pouvoir être chopée quoi, donc on va essayer d'aller la choper quand même.
Ok. Bah, la balle, la base, elle tient. Hein. Excellence. En fait, une vie excellente nécessite un entraînement et ne comporte pas de distraction. Si l'eudémonisme, ou bonheur, est l'activité en accord avec l'excellence, il est raisonnable qu'elle soit en accord avec l'excellence la plus élevée, et ce sera celle du meilleur qui est en nous. Aristote, éthique à Nicomaque, liaison de données. L'eudémonisme, alors là, ça je connais pas du tout ça. Ok, je vois. Production terminée, mal atteinte. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Non, il dit de me méfier face à des formeuses. Je dis ça. Ça n'a aucune puissance d'attaque, les formeuses. Ça, j'ai l'impression que sur la carte, cette base-là, elle est sur Terre, mais non, en fait, elle est... Elle n'y est pas. Amélioration détruite. Production terminée. Confirmation demandée. Ouais, je parle pas beaucoup, hein, mais bon. Émeute de droïdes. Confirmation demandée. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Bon, bah, alors tu dégages. Ok, une base de plus, allez. Non. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Je vois pourquoi, j'ai certaines unités qui arrivent à accéder à cette base-là et d'autres non. Alors, ah, génial. Oh la vache, vous avez vu un petit peu sur le diagramme en bas comment ce qui arrive à la faction des devoirs, ça pique, hein. Production terminée. Ok. Alors attendez, parce que cette base-là, justement, elle est toute près de... Alors, on va faire des unités aquatiques et on va s'attaquer à Yang après. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a. Ou alors des jets. On va se faire des jets. Mais le problème des jets, c'est que ça a une portée assez limitée. Qu'est-ce qu'on a en navire? Mais pas des navires à la con là qui... Ah, j'ai la matrice télépathe, faudra qu'on développe ça sur une des bases. Non mais j'ai rien qui valait le coup en comment? En maritime.
En maritime, je disais. Ah si, bah si, j'ai que l'île des profondeurs, quoi. J'ai que ça qui vaut le coup. Confirmation demandée. On va faire ça. On va faire des îles des profondeurs. Ah oui, et puis j'ai aussi les Acridans de Chiron. Alors eux, ils sont aussi bien. Enfin, ils sont aériens, donc ils sont aussi bien. Ouais. On va utiliser des îles des profondeurs. C'est ce qu'il y a de mieux pour le maritime. Mais sinon, ouais, on a aussi les espèces de spores là. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Bon, je pense qu'il y en a largement assez pour aller conquérir la base là-bas. Hein. Cette unité ne possède pas la capacité requise. On va le faire remonter aussi, lui. Peut-être feriez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Oh non, j'y crois pas. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Production terminée. Confirmation demandée. Ok, et puis après on va s'attaquer aux infrastructures. Ah ouais, c'est les mines Morgan ça. Ouais, bah tout de suite après les sœurs de punition, tu vas attaquer la matrice télépathe. Production terminée. Et on l'accélérera la matrice télépathe. Parce que par contre, j'ai une base là. Ouais, d'accord, ok, elle est sans protection. Elle a plus rien, hein. Elle est à la rue, hein. Impossible d'exécuter cet ordre. Quoi? Impossible d'exécuter cet D'accord, il est ordre. plein. Allez, hop. Impossible d'exécuter cet ordre. Ouais, Impossible je d'exécuter cet sais. ordre. Allez, passer sur l'autre. Des profondeurs, on va aller attaquer. Une qui nous emmerde bien. Ben, la première qu'elle rencontre. Grande science a été pris par Ah, ça a été pris par Lal. Lal? Ouais, mais non, attends. Cède-moi la base. Cent douze? Ouais, bah vas-y. Ok.
définition, puis après on va. Ok. Bon, et ben niveau territoire, on a tout ce qu'il nous faut. Donc le reste, on verra bien. Bon, toi, ouais, tu diriges toujours là-bas. Toi, tu vas au bateau. Toi, tu conquéris cette île-là. Voilà, c'est nickel. Ok, bon, on est pas mal là. Alors, attendez, c'est quoi ce quantique aéroglisseur? C'est bizarre pourtant, elle est pas. On va les essayer quand même, ces bateaux-là, là, parce que j'ai fait qu'une attaque avec, mais je voudrais voir un peu à quoi. Si elles sont aussi balèzes que ça. Donc, c'est celle-là, hein. 16, 8, 4. Il y a ceux-là qui ont l'air meilleurs. Va essayer ceux-là. On va. Énergie Non, je peux insuffisante. pas accélérer. On va bien voir ce que ça donne. Et évidemment, celui-là, on va le laisser. Toi, ben, tu vas remonter. Je sais plus où on en est dans l'épisode là, si j'ai relancé deux fois ou trois fois l'enregistrement. Je vais vérifier à la prochaine relance là. Impossible d'exécuter cet ordre. Ok. Ouais, ça c'est un bateau, ok. Lui, il a encore conquis un territoire. Là, ouais, donc toi, ok, projet on ennemi remonte. déclenché. Le président Morgan a déclenché la matrice Terra, le machin, quoi. Matière de supertraction. Ok, d'accord. Modification de la matière, dôme d'habitation, l'ascenseur spatial. Ah oui, l'ascenseur spatial, c'est sympa aussi ça. Projets ressources sont terminés. Impossible d'exécuter cet ordre. Ah oui, peut-être qu'il a intérêt à se barrer, lui. Alors, là-bas c'est pareil, on va se diriger vers là-bas.
Oups, je suis désolé, j'ai pas vu le truc s'arrêter. Je vais aller voir la durée de l'épisode. Juste un truc là, Sœur Myriam, donc je viens de signer une trêve de sang avec elle. Hein. De toute façon, elle a plus une base sur mon territoire. Elle a juste plus que deux petites bases dans la mer hein, qui m'intéressent pas. Donc je s'entraide avec Myriam. Et comment? Et je vais m'attaquer à comment à la ruche donc à Yang. J'ai des comment? Ah ouais non. Émeute de droïdes. Ouais ok je peux rien faire. Juste ici je vais changer, je vais mettre la sphère de punition avant parce qu'il y en a marre des attaques de droïdes. Confirmation demandée. Production ressources. Ok, je regarde juste la durée de l'épisode. Oui, donc c'est ça, donc on est à la fin de l'épisode. Donc sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt!